Tachidele, Omaum, Benzaguru, Pemacide, Omaum, Benzaguru, Pemacide, Omaum, Benzaguru, Pemacide, Omaum, Benzaguru, Pemacide, Omaum. Omaum, Benzaguru, Pemacide, Omaum. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite session de questions-réponses. Cette vidéo d'aujourd'hui, elle fait écho à une vidéo que j'ai faite en anglais. Alors plutôt que de refaire les vidéos à chaque fois dans des langues différentes, eh bien, laissons faire la Shakti, laissons faire le Dharma. Donc, de temps en temps, je répondrai en anglais, de temps en temps, je répondrai en français, en portugais, en allemand. Éventuellement, j'ai quelques étudiants en Allemagne. Mais en Allemagne, il y a très bons enseignants de Dharma. Les Allemands sont mobilisés autour des traductions du Dharma. Donc aujourd'hui, c'était une question qui était liée à l'adversité. Comment faire face à l'adversité? Alors, dans le mot adversité, il y a évidemment le mot adversaire. Nous avons un adversaire. Selon le bouddhisme, je vous invite à prendre le cours de cosmologie, de métaphysique, eh bien, dans le monde où nous sommes, nous avons un principal adversaire qui est l'ignorance. Et comme on ignore les choses, on va avoir la nature profonde des choses, on va tendance à se laisser attirer par des désirs. Et puis, certains désirs vont procurer de la satisfaction et d'autres désirs vont provoquer de l'insatisfaction. Et d'insatisfaction en insatisfaction, eh bien, nous allons expérimenter de la réjection, de l'aversion pour les phénomènes. Donc un phénomène d'ignorance, puis un phénomène de désir, puis un phénomène d'aversion. Dans la vie de tous les jours, je vais le faire avec l'expression « Kaira des banlieues », ça marche toujours. Dis-toi, je te calcule pas. Toi, je te calcule pas. J'ai envie de rien savoir sur toi. Ton univers de psychopathe en uniforme, c'est le tien. Je te calcule pas. Fais ton truc. Tu m'intéresses pas. Et puis, si véritablement le mécanisme d'ignorance, les gens ne s'ignorent pas mutuellement, c'est passer tous les jours devant un fourgon de police. Tous les jours, le flic va vous contrôler. Il vous a contrôlé la veille, vous contrôlera aujourd'hui. Le même flic peut vous contrôler 3 fois votre identité et vous fouiller. Les gens des banlieues le ressentent comme du harcèlement, comme un état de guerre permanent. Alors, c'est pas la faute des policiers, c'est les instructions qu'on leur donne. On leur dit qu'il faut reconquérir le territoire perdu par la République et puis que c'est les migrants, les envahisseurs qui sont venus pour détruire la France. Et s'ils n'ont pas de boulot, c'est pas la faute à Raspapopoulos, c'est la faute aux pauvres migrants qui vit avec 700 euros par mois d'allocation. Voilà, alors que lui, le pauvre flic, a pas 2000 euros. Voilà. Donc, c'est ce que faisait Hitler. Hitler est arrivé à convaincre les Juifs, étaient les responsables des malheurs des Allemands. Il n'y avait personne qui le croyait au début, parce que c'est les Juifs et les chrétiens vivaient ensemble depuis des siècles. Mais à force de le répéter, eh bien, et à force de le faire croire, à force de stigmatiser les gens, ça fonctionnait. Donc, au début, il y a un mécanisme qui est basé sur l'ignorance. Et puis, lorsque la personne ne veut pas rester, dans l'ignorance, eh bien, la personne va venir pour susciter de l'attraction, pour susciter du désir. Et puis, ce désir, il peut être satisfaisant au début. Et puis après, eh bien, il devient de l'aversion. C'est-à-dire qu'au début, on ne se calcule pas, chacun vit sa vie. Et puis la deuxième respiration, ouais, bah, qui vient me chercher, il a qu'à venir me contrôler, lui, là. Tu vas voir, allez, viens me contrôler, mec, viens. C'est la deuxième étape. Alors, ça se met à ricaner entre flics, c'est notre territoire, c'est nous qu'on est la République. Tu vas voir les migrants, tu vas voir les Arabes, les fumeurs de cannabis. Bien entendu, le flic a fumé du cannabis toute son enfance et continue à en fumer. Mais bon, c'est l'hypocrisie, la schizophrénie du système. Et on a un président cocaïnomane en France, donc... je vous l'ai dit, hein, le transsexualisme, enfin, la pédophilie et qui mène souvent au transsexualisme d'ailleurs, la pédophilie et le trafic de drogue sont les mamelles de la République, hein, les piliers de la République. Donc il vient me chercher, le flic dit oh, ouais, tu vas voir ce qu'on va leur mettre, allez, viens. Donc il y a du désir de chaque côté, du désir d'affrontement. Et puis à la fin, évidemment, bah, il y a des émeutes, c'est-à-dire il y a des policiers qui se font blesser, il y a des policiers qui ouvrent une porte de fourgon, qui tirent sur une petite fille de 5 ans, qui lui fendent le crâne en deux. C'est la réalité des banlieues. Peut-être comme moi, j'ai été élevé à la campagne, dans un milieu bourgeois, riche, et ensuite j'étais à l'université, après j'étais dans un milieu très très riche quand j'étais marié, donc on n'était pas du tout confronté à ce genre de... C'est des réalités que je connaissais pas.
Et puis en travaillant, et puis surtout en enseignant le bouddhisme, et puis en ayant le cœur plus ouvert, les jeunes, et puis en étant passé par la prison, les jeunes m'ont raconté leur vécu. Puis ça m'est arrivé aussi d'avoir des policiers qui étaient. Les femmes étaient en psychothérapie parce que quand ça se passe mal au travail, imaginez à la maison. Et puis c'est essayer d'aider aussi. La meilleure chose à faire d'ailleurs, du point de vue du dharma, fuyez l'État. C'est-à-dire que n'ayez pas des professions. Elles sont légitimes, elles sont nécessaires dans l'organisation actuelle. Mais dans le sens du bouddhisme, non. Dans le sens du bouddhisme, vous ne devez pas être boucher, vous ne devez pas être militaire, vous ne devez pas être policier. Voilà, c'est vraiment les professions interdites. Parce que c'est des professions où on verse le sang et on est au service de système. On peut être amené à commettre des injustices dont on reste responsable soi-même. Alors comment se confronter à cette adversité? Eh bien d'abord c'est ne plus être ignorant, c'est d'apprendre la gnose. La gnose, elle nous renseigne sur où on est dans l'univers. La science moderne, elle nous dit qu'il y a de la physique. Le Big Bang théorie, etc. C'est pas une série, hein. C'est une théorie qui n'a aucune démonstration. C'est-à-dire, ça fait 70 ans qu'on enseigne la théorie du Big Bang. C'est-à-dire qu'il y aura un début de l'univers, ça n'a jamais été observé, d'aucune manière. Donc, ça reste une théorie. Tout comme vous croire que Hare Krishna est arrivé sur, voilà, etc. C'est une croyance qui souffre d'aucune démonstration ou d'affirmation. C'est pareil avec le Big Bang. Sauf que le Big Bang, on peut observer l'univers et il n'y a aucune trace de Big Bang. Voilà. Donc on a de toute façon un effondrement de la science moderne matérialiste, hein, tout s'est effondré, même la physique newtonienne, tout le dispositif intellectuel ou pseudo-intellectuel sur lequel reposait la modernité s'est effondré avec les dernières découvertes depuis une trentaine d'années. Actuellement, la seule théorie qui est valable pour expliquer le fonctionnement de l'univers, c'est la théorie A4, c'est-à-dire onde, particules, énergie noire, matière noire, et même ça, ils n'en sont pas sûrs. Nous, ça fait des milliers d'années, des centaines de milliers d'années qu'on dit la même chose, ça s'appelle la gnose, donc il faut acquérir la gnose. Je ne dis pas que la science n'est pas intéressante, quand la gnose confirme la science, les découvertes de la science, c'est très bien, mais quelquefois la science se trompe, parce qu'elle est comme une tortue qui est dans un environnement rempli d'obstacles, elle n'est jamais sûre d'avoir tout vu, elle se prend tous les obstacles. Et la science s'est pris tous les obstacles possibles et imaginables. Le point de vue de la gnose, c'est le point de vue de l'aigle. Alors, comment cette gnose a été obtenue? Dans le bouddhisme, c'est que fondamentalement, notre nature, c'est pas l'ignorance. Nous sommes devenus ignorants parce que nous sommes dans le samsara. Par contre, notre profonde nature, elle n'est pas ignorante. Nous sommes connaissants. Notre nature même, c'est la connaissance. Par contre, à cause des conditions de vie dans le samsara, c'est-à-dire dans le cycle des renaissances où nous sommes, eh bien, nous sommes devenus ignorants. Nous sommes ignorants. C'est-à-dire que notre propre nature nous est voilée, et notre propre nature nous étant voilée, nous vivons dans un état d'hallucination mentale qui s'appelle le samsara. Les hallucinations, elles s'appellent maya. Et tout ce qu'on vit, c'est de l'hallucination mentale qui est basée sur la connaissance du passé, du bien et du mal dans le passé. Donc on vit dans des états hallucinatoires. Donc le but du bouddhisme, c'est de retrouver notre nature fondamentale, ce que nous sommes vraiment. Donc on n'a pas à acquérir la gnose. La gnose, elle est là. Quelquefois, les gens me disent, mais comment t'as réalisé ça? Comment tu sais? Qui te l'a dit? Qui te l'a appris? Je dis, bah, je l'ai réalisé. Et comment l'as-tu réalisé? Eh bien, en méditant, en me concentrant sur ma nature Bouddha, en étudiant les textes de mes prédécesseurs, eh bien, j'en suis revenu aux mêmes conclusions. Lorsque j'étais en prison, les deux fois où je suis allé en prison, j'ai discuté avec les personnes qui étaient là, me raconter leur histoire et ils avaient une interprétation par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et quand je leur donne la clé de la psychotronique, ça c'est clair. Par exemple, il y a un garçon qui s'appelle Israël avec qui j'étais, qui a poignardé sa mère. Je lui demandais pourquoi. Et je lui ai expliqué point par point. J'ai discuté d'abord avec lui pour savoir qu'est-ce qui lui était arrivé. Puis après, je lui ai tout expliqué avec la clé psychotronique. Et il m'a dit, bah, t'as raison. J'ai été mis sous hypnose par des flics, pervers et sadiques. Et l'origine, c'est parce que j'ai publié des conneries sur Internet et ils s'en sont pris à moi. Et donc, la clé de la psychotronique lui donnait l'explication de tout ce qui lui est arrivé. Il l'a dit à sa maman, qui est témoin de Jéhovah, parce que les témoins de Jéhovah sont beaucoup harcelés par le système. Et donc, du coup, de lui donner la connaissance, je lui ai pas expliqué ce qui lui était arrivé. Je lui ai expliqué que ce matériel existait. Et ensuite, il en a tiré lui-même les conséquences. Il a réfléchi pendant une dizaine de jours. Il m'a dit oui. En fait, l'information que tu me donnes, je la savais. Je savais qu'il y avait une manipulation derrière moi, que ça passait par mon téléphone et mon ordinateur, que c'était quelqu'un d'haineux et de jaloux, qu'on voulait me faire faire quelque chose que je voulais pas, et je suis parti en vrille.
Alors, c'est quelqu'un qui a de l'argent, qui visiblement a attiré la jalousie, qui ne voulait pas rentrer dans le système, il a une bonne pension. Voilà. Donc, quand on a la connaissance, eh bien, on peut sortir du désir et de l'aversion. Et c'est la première étape à faire pour sortir du samsara, c'est se rendre compte qu'on est intimement connaissant. C'est notre nature même, c'est d'être connaissant. Quand je médite et que je me connecte à ma nature Bouddha, eh bien, je suis connaissant. La connaissance arrive. Cette connaissance, elle est non seulement une connaissance, mais elle est aussi une sagesse. C'est-à-dire, la sagesse arrive. Plus je suis sage, plus je suis connaissant. Donc, la connaissance, la sagesse, prajna, jnana, ne sont pas des choses qu'on doit acquérir de l'extérieur. C'est pour ça que le travail que vous faites avec moi, c'est pas un travail académique. Je suis pas là pour vous enseigner comme à l'université, vous faire bachoter et apprendre par cœur. Je suis là pour que vous réalisiez la véracité des enseignements du Bouddha. Le Bouddha disait, ne croyez une chose vraie que si vous en avez vous-même fait l'expérience. Ne la croyez pas parce que c'est votre enseignant, parce que c'est vos parents, parce que c'est la société qui vous le dit. Croyez une chose vraie, fondamentalement vraie, si vous-même vous en avez fait l'expérience. Si vous n'en avez pas fait l'expérience, c'est une croyance. Donc ne restez pas au niveau des croyances, restez au niveau de la démonstration. Alors au quotidien, on peut voir la démonstration de la croyance. Les policiers, dans mon exemple, croient que les gens qu'ils ont en face d'eux sont tous des délinquants, des petites saloperies, et tous les propos d'extrême droite sur les migrants. Il y a quand même 70% des policiers et des militaires qui votent Front National, avec toute l'idéologie qu'il y a derrière, raciste, antisémite, xénophobe, pro-russe, etc. Donc bon, c'est quand même des gens qui vivent dans une incompréhension des mécanismes politiques, qui sont atteints d'une maladie mentale, qui s'appelle le nationalisme moderne. C'est de croire que quand on a une certaine culture, on a droit à un territoire. Et parce qu'on a une certaine culture héritière de l'histoire et qu'on a un territoire, on a le droit de persécuter les autres ou de vouloir les formater pour qu'ils vous ressemblent. Souvent, je dis aux Maghrébins que je connais, aux Africains qui vivent en France, de toute façon, vous ne serez jamais intégrés parce que ce que veut la République, c'est vous désintégrer. Elle veut désintégrer votre culture d'origine. Elle veut faire de vous des numéros, comme elle a fait des Français des numéros de sécurité sociale et des numéros du système, des chiffres de la bête. Donc ce système, ce n'est pas un système d'intégration, c'est un système de désintégration qui est basé sur la destruction de votre identité première, votre identité culturelle. Pour vous dire, vous êtes sur ce territoire, vous devez adapter la culture de ce territoire, qui est la culture républicaine, laïque, scientifique, humaniste. Si vous résistez, ça va mal se passer pour vous. Donc, il y a une résistance. Les gens issus de l'immigration, ils ont des habitudes culturelles qui sont liées aux religions du sémitisme. Et la police, elle est complètement antisémite et désémitisée et antisémite. Quand on réintroduit des états méditatifs, c'est-à-dire qu'on propose aux policiers de faire des séances de méditation, c'est-à-dire plutôt que regarder passer les vaches avec haine, ce qui est le gros de leur activité, de pouvoir utiliser les moments où ils sont de surveillance du territoire, parce que la délinquance, elle baisse quand les policiers sont présents, nous dit-on. C'est pas ce que disent les chiffres. Les chiffres nous disent que lorsque les policiers sont présents, la criminalité explose. Lorsqu'on met des animateurs de rue, elle baisse. Voilà. Donc ils sont un facteur aggravant en matière de violence urbaine, par exemple. Je dis pas qu'il faut pas des policiers. Il faut des enquêteurs, etc. Mais le comportement territorialiste, il génère de l'agressivité, et l'agressivité génère de la délinquance. Voilà. Donc il y a une incidence très forte. C'est pas moi qui l'invente, hein. J'étais abonné pendant des années à la Revue internationale de criminologie. Les choses sont bien connues. Ouais. La paix sociale, ça a un prix. Voilà, c'est un prix dans le comportement et c'est un prix dans la justice sociale. Quand on ne veut pas de justice sociale, quand on accepte qu'il y ait 70% des gens qui aient les idées du Front National, il ne faut pas s'étonner que le pays soit au bord de la révolution. Tout ça, c'est basé sur l'ignorance. Ça ne veut pas dire que les policiers, c'est des mauvaises personnes. Ça ne veut pas dire que les gamins des banlieues qui fument du cannabis, qui en revendent de temps en temps, et qui branlent à l'école, bien souvent, parce que ça ne les intéresse pas, soient des mauvaises personnes, bien au contraire. Quand je discute avec des gens des banlieues, ils sont très contents d'être en France, ils aiment la France. Ils sont tristes de ne pas y trouver leur place économique. Et quand je discute avec les policiers, ils sont aussi tristes de la situation. Ils aimeraient une autre solution que de vivre dans la haine, dans la violence, dans le sarcasme, etc. Ça leur fait du mal. Donc il y a des solutions. Et cette solution, la première solution, c'est la méditation. Il faut méditer. Donc si vous voulez lutter contre l'adversité, il faut méditer. C'est la base. La base, c'est la méditation. Quand vous méditez, vous allez voir réémerger la sagesse. Et la sagesse va générer de la connaissance.
et la connaissance, de la connaissance technique ou de la connaissance théorique. Mais tout ça, on l'a en nous, c'est pas quelque chose qu'on doit acquérir de l'extérieur. Donc la première connaissance à savoir, la première sagesse à réaliser, c'est que la conscience et l'univers sont co-émergents. C'est-à-dire qu'au début, l'univers est là de tout temps, il n'a pas commencé, il ne cessera pas. Il est dans l'univers, la nature de l'univers d'être l'univers. Et conjointement à l'univers, il y a une conscience universelle qui est co-émergente. Vous pouvez l'appeler Dieu, dans le bouddhisme on l'appelle l'Adi Bouddha. Vous pouvez l'appeler Allah, vous pouvez l'appeler Jéhovah, mais c'est la conscience qui apparaît en même temps que l'univers. Ils sont co-émergents, ils émergent en même temps. Donc la première chose à faire, c'est effectivement, pour lutter contre l'aversité, c'est de méditer. La méditation va vous amener la sagesse va vous amener la connaissance, et la connaissance va vous amener le comportement juste. Hélas, au quotidien, à cause des résidus des univers et des consciences précédentes, c'est le mécanisme de la pollution des éléments et de la pollution de notre conscience par la connaissance du bien et du mal du passé, c'est ce qu'on appelle le souvenir de vie antérieure, eh bien, nous allons colorer notre expérience, c'est-à-dire ça va nous empêcher d'être sages. On vit sous l'influence des traumatismes. Et cette influence des traumatismes, c'est elle qui va générer notre quotidien. En tant qu'être humain, on est tous les êtres vivants de tout l'univers, on est un seul être qui remonte à l'Adi Bouddha, à Dieu. On est tous des émanations de Dieu en termes monothéistes. On est tous des émanations de l'être primordial de l'Adi Bouddha. Tout comme mon corps fait partie de l'univers, avec des éléments de l'univers, ma conscience fait partie de la conscience primordiale de Dieu, avec ses propres caractéristiques. Donc, l'humanité étant un seul égrégore, et l'univers étant un, composé des cinq éléments, eh bien, nous avons le choix. Soit nous allons vivre dans la sagesse et dans la connaissance avec un comportement adéquat, soit nous allons vivre dans l'ignorance, le désir et l'aversion. Et à ce moment-là, nous ne développons pas de sagesse, nos connaissances sont partielles et nos actes sont inappropriés. Quand l'adversité dans le cosmos, dans l'univers et l'adversité est trop forte concernant les êtres, c'est-à-dire quand les êtres ont trop d'adversité, eh bien, soit ils se détruisent, soit il apparaît un Bouddha. Donc lorsque l'univers est en danger, à cause d'une accumulation telle d'expériences négatives ou positives, mais quand c'est devenu complètement illusoire, vraiment comme une croûte de pain, c'est devenu très très dur, eh bien, il y a toujours un Bouddha qui apparaît pour sauver la situation. C'est arrivé 14 fois dans notre cycle, on en est au 14e Bouddha, le Bouddha Sakyamuni, c'est le 14e Bouddha. Alors pour répondre à la question du lecteur qui est en anglais, « How to lead with adversity ?» Alors premièrement, la première chose, comment est-ce qu'on doit s'arranger avec l'adversité ? Soyez équanime, c'est vraiment le plus important. Ensuite, quoi qu'il se passe, observez-le. Vous allez avoir développé en observant les problèmes, vous allez développer de la sagesse, de la connaissance et du savoir-faire. Deuxièmement, soyez clair envers les autres, soyez clair envers vous-même. Est-ce que vous voulez laisser les autres vous contrôler, l'expérience vous contrôler, ou est-ce que c'est vous qui voulez contrôler l'expérience? Et si vous vous décidez de contrôler l'expérience, est-ce que vous allez le faire avec compassion, en ressentant la souffrance des autres, ou est-ce que vous allez le faire en étant complètement égocentrique, en ne vous concentrant que sur votre propre plaisir et votre propre souffrance? Ensuite, surtout ne soyez pas formaliste, n'ayez pas des réactions sentimentales, n'ayez pas des réactions formalistes, restez compatissant aussi, ne vous fondez pas que sur votre expérience. Ensuite, apprenez à faire confiance à l'univers et à Dieu, c'est-à-dire au cosmos et à l'Adi Bouddha. Vous pouvez vous adresser à l'Adi Bouddha. Le matin, quand je me réveille, je fais mon yoga, je regarde le soleil se lever, et je dis univers et conscience qui est co-émergente avec cet univers, je me dédie à vous. Imprégnez-moi de votre sagesse, donnez-moi la connaissance nécessaire et faites que je fasse les actes appropriés. On peut le faire à chaque instant, mais c'est bien de le faire le matin, puis de faire le bilan le soir. Le bilan le soir, on se met face à l'univers, on se met face à Dieu, on se met face au cosmos, face à l'Adi Bouddha. On se pose les questions de nos activités du jour. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai développé de la sagesse? Est-ce que j'ai développé de la connaissance? Est-ce que j'ai eu les actes appropriés? Et quand on s'aperçoit qu'on n'a pas eu les actes appropriés, on prend la ferme résolution de ne pas les répéter. Ça limite la souffrance et l'adversité.
En règle générale, l'adversité, elle nous vient des mauvaises habitudes. Et les mauvaises habitudes, en s'accumulant, elles nous empêchent d'accéder à la connaissance. Par exemple, ce matin, j'ai beaucoup marché, j'ai fait 10 km avant-hier, et à pied, et j'ai mal partout. Et hier matin, j'ai eu du mal pour faire mon yoga, ça a duré 3 minutes, parce que j'avais mal partout. Et ce matin, j'avais plutôt envie de rester au lit, parce que j'avais encore un peu mal. Et puis j'ai décidé quand même de me lever, d'affronter mes douleurs, de faire mon salut au soleil, de faire mon yoga, d'être plus appliqué pour le faire aujourd'hui qu'hier. Et les bonnes habitudes sont revenues. Et du coup, j'ai plus mal. Voilà. Voilà. Ça évite de prendre des médicaments, ça évite, etc. Donc les pratiques, elles ont un effet très positif sur l'adversité. Plus on a un ronron de pratiques quotidiennes, mieux c'est pour faire face à l'adversité. Bouddha, lorsqu'il était au pied de l'arbre pipal et qu'il a atteint l'éveil, eh bien, il a été confronté par le maître de l'adversité qui s'appelle Mara, c'est Satan dans le bouddhisme. Et il est arrivé avec ses trois filles qui sont l'ignorance, le désir et l'aversion. La fille qui dit « Non, non, ignore tout, fais-moi confiance, je suis arrivée pour qu'on ait du plaisir ensemble. » Voilà. Et puis après, « Oh là là, tu vas m'aider parce que lui, il veut me faire du mal. » Voilà. C'est la fille qui arrive, qui a un effet, ou le garçon, si vous êtes une femme, qui a un effet complètement hypnotique sur vous, qui vous maintient dans l'ignorance. C'est bien, vous vivez une illusion. Cette illusion, elle est remplie de désirs, de désirs sexuels, des désirs d'être ensemble, etc. Et puis après, il vient le moment où est désigné un ennemi, une aversion. Ah non, ça me plaît pas, oh, lui, il me plaît pas, tu devrais me défendre, il m'a regardé, etc. C'est tous les jeux psychologiques des relations amoureuses. Alors c'est important d'observer ces mécanismes. Moi, j'ai rien contre se marier, avoir une femme ou un mari. Je l'ai été. J'ai été hétérosexuel, homosexuel. Maintenant, je suis asexué. J'ai été en couple. J'ai été tout seul. J'ai essayé toutes les techniques pour atteindre le bonheur. Aucune de ces techniques ne garantit le bonheur. Par contre, il y a eu des moments de bonheur, quelle que soit ma sexualité ou ma relation de couple, que je sois asexué et seul ou que je sois en couple et hétérosexuel, il y a eu des moments de bonheur. Mais ça n'a jamais été une expérience satisfaisante parce qu'il y a toujours eu de l'adversité. Donc ce qui est intéressant d'avoir fait cette vie-là, c'est que je suis meilleur pour enseigner. Parce que je ne vous parle pas de choses théoriques, je vous parle de choses que j'ai vécues. Quand j'étais avec ma femme, j'aimais beaucoup ma femme, on vivait dans un certain niveau d'ignorance, on ignorait les difficultés de la société, on avait de l'argent, des bons boulots, une grande maison, plage privée, voiture changée tous les 6 mois, bateau, etc. Donc on vivait dans l'ignorance de tout ce qu'on avait, puisqu'on en profitait comme des cochons dans l'horloge, et on n'avait pas conscience de ce que vivaient les autres. Surtout, ça ne nous intéressait pas de le savoir. Et ensuite, on n'a pas développé de sagesse. Et donc, il y a un moment où notre nature fondamentale, on peut pas rester des cochons toute sa vie, certains le font, ça devient des vieux cochons et des vieilles truies, mais on s'auto-intoxique en réalité. Le cochon, c'est un animal qui s'auto-intoxique en permanence. La viande de porc, c'est une viande particulièrement toxique parce qu'elle est, le cochon s'intoxique avec ses propres toxines. Et plus il vieillit, plus sa viande est chargée en toxines. Donc c'est pareil avec nous. Lorsqu'on est jeune, on est pur et innocent. Et puis ensuite, on s'habitue. Puis quand on est vieux, on est des vieux cons. Voilà, des vieux cons à la retraite, bourrés de médicaments, hypocrites, qui passent leur temps devant la télévision et qui n'ont pas une bonne vision de la société. Je regardais par exemple les chiffres aujourd'hui de l'élection présidentielle. Les moins de 25 ans, la dernière, les moins de 25 ans ont voté à gauche. Les actifs jusqu'à 60 ans ont voté Front National majoritairement et les vieux ont voté pour Macron. Voilà. Parce qu'ils ont eu peur de la droite et de la gauche, ils ont connu le fascisme et le communisme, donc ils ont eu peur, ils ont préféré Macron. C'est-à-dire que plutôt de comprendre que derrière le fascisme et derrière le communisme, il y avait la banque Rothschild, la Bank of London et les 13 oiseaux, ils ont préféré aller directement à la source, c'est-à-dire voter pour le fondé de pouvoir de la banque Rothschild, qui a été victime de pédophilie, qui est un cocaïnomane. Donc ils sont fondamentalement républicains, nos vieux. Ils ont été formatés à ça et ils ont du mal à penser qu'ils puissent avoir un autre système. Ils n'ont pas développé de sagesse. Ils finissent leur vie comme des vieux cons dans des EHPAD ou à rouspéter devant leur télévision. Donc, à partir du moment où on veut pas développer de sagesse, on développe pas de connaissances. À partir du moment où on veut pas développer de connaissances, on développe pas de savoir-faire. On a un comportement qui est inapproprié. Donc, on devient des vieux cons qui emmerdent tout le monde.
Les jeunes n'ont pas de boulot et ils pensent au communisme. Les actifs en ont marre de payer pour tout le monde et ils pensent au fascisme. Et les vieux continuent à s'illusionner avec le formatage qui a été le leur. Donc ces mécanismes-là du bouddhisme, c'est un peu cynique ce que je dis. Hein. Moi, je vis pas en France, ça m'intéresse pas forcément. Je veux pas ignorer ce qui vous touche au quotidien. C'est pareil à Québec, c'est pareil en Algérie, etc. C'est des mécanismes. J'ai 30% de mon public qui est en France métropolitaine, 70% qui est dans le monde. Par rapport au message que je reçois, je vois que les problématiques, elles sont partout pareilles. Je vois aussi en Afrique, les Africains... Il y a une sagesse africaine des anciens. Cette sagesse, elle a été perdue puisqu'on a voulu imposer la connaissance, une connaissance artificielle. Et puis, on dit aux gens qu'il y a un certain savoir-faire, c'est que c'est d'aller au McDonald's, d'avoir deux voitures, avoir un boulot, etc. C'est l'American way of life. Ce système, il n'a pas fonctionné aux États-Unis, il ne fonctionnera pas plus en Afrique. Il a généré beaucoup d'insatisfaction, beaucoup de dépendances médicamenteuses, des dépressions, baisse de fertilité, perte des valeurs traditionnelles, des repères, etc. Donc, il y a très peu d'hôpitaux psychiatriques en Afrique. Il y en a énormément aux États-Unis. Il y a très peu de personnes en prison en Afrique. Il y a énormément de personnes en prison aux États-Unis. 50% de la population carcérale au monde est aux États-Unis. Donc, c'est un pays qui rend malade et qui met en prison. En Afrique, les gens sont moins malades et sont moins en prison. Donc, il y a un problème avec le modèle américain. Or, tout le temps, on nous dit c'est comme ça qu'on doit se comporter. Les Russes en ont ras-le-bol, ils disent non. Les Chinois en ont ras-le-bol, ils disent non. Donc, les Européens commencent à ouvrir les yeux. Donc, en adoptant un comportement inapproprié, vous allez avoir des connaissances inappropriées et vous allez avoir une fausse sagesse. Voilà. Quand j'étais petit, mon père me disait toujours « sois sage, sois sage ». Je dis « mais qu'est-ce que... » J'ai posé la question « qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'être sage ?» Alors, mon père m'a dit « c'est se tenir tranquille et observer ». Il m'a dit, mon père me disait, à ton âge, tu n'as pas à parler, tu n'as pas à intervenir, tu dois observer, et ton activité, c'est d'observer ce que font les gens pour en tirer de la sagesse. Ben, c'est ce que j'ai fait, j'étais un bon garçon. Donc, j'ai observé et je me suis aperçu qu'on vivait dans un monde de dingue, où il n'y avait pas de sagesse, où les connaissances étaient partielles, où les comportements étaient inappropriés. Rapidement, j'ai compris qu'il y avait un problème d'intoxication avec les médicaments et avec la drogue. La plupart des personnes se droguent. Légalement ou illégalement, et puis je me suis aperçu qu'il y avait une très grosse problématique liée à la sexualité. Les gens ne sont pas bien épanouis d'un point de vue sexuel, soit dans le manque, soit dans l'excès. Et puis il y a effectivement la pédophilie qui est quand même très préoccupante en France, qui est vraiment le pays de la pédophilie, parce qu'il y a une pédophilie institutionnelle. Voilà, la prochaine fois nous verrons donc comment on doit se comporter face à l'adversité. D'abord développer de la sagesse, c'est la première technique, développer de la sagesse. Ensuite, veillez à avoir une bonne alimentation, c'est très important. Donc une bonne alimentation, avoir un comportement sage, observateur, et ensuite avoir des bonnes représentations. Alors au niveau de l'alimentation, je peux rien faire pour vous, au niveau de la sagesse, je peux rien faire pour vous, on peut méditer ensemble de temps en temps si vous voulez. Par contre, au niveau des représentations mentales, là je peux vous aider. La sagesse, c'est ce qu'on appelle la gnose, gnosis. Les bonnes représentations mentales, c'est très bien ce qu'on appelle le daimon. Lorsqu'elles sont mauvaises, c'est la porneia. Je fais une vidéo en anglais sur ce sujet. L'alimentation, quand elle est bonne, c'est très bien. Hein, c'est ce qui va nourrir notre génos, notre sang. Lorsqu'elle est mauvaise, ça donne la pharmakeia, la pharmacie qui peut amener jusqu'à l'empoisonnement et aux drogues. Et un système complètement matriarcal, de l'autre côté, un système complètement patriarcal. Donc je vais vous expliquer ça au fur et à mesure de plus rentrer dans les détails. Je vous invite à prendre le cours de cosmologie bouddhiste du 25 février. Pourquoi ? Parce que ça va vous donner une vision d'ensemble. Et à partir de cette vision, on va pouvoir travailler ensemble. C'est un cours qui dure 8 heures. Il y a de l'exposé. Je vous donne un petit support écrit. On m'a demandé de donner des supports écrits désormais avec les ateliers. C'est ce que je vais faire. Vous aurez systématiquement un support écrit en 5 langues. Qui va vous permettre de suivre. Il est clair qu'au fur et à mesure, dans la mesure où mon public il est international maintenant, et que dans quelques mois, le lien va se couper avec la France, je ne pourrai plus vous accompagner parce qu'il n'y aura plus de connexion Internet, on rentre en situation de guerre, de crise. Je n'ai pas vocation à continuer en français, donc je continuerai en anglais.
Mais vous inquiétez pas, je continuerai à donner des enseignements en français. Par contre, d'ici quelques mois, ça sera, le cordon sera nécessairement coupé avec la France, hein, à cause de la Troisième Guerre mondiale. Donc, ayez une bonne alimentation, ayez des représentations justes et développez de la sagesse. Pourquoi est-ce que nous avons des prophéties? Pourquoi Jésus nous annonce ce qui va se passer? Pourquoi Padma Sampava l'a fait dans le bouddhisme tibétain? Pourquoi vous avez la prophétie de France? Les Français, vous avez une chance énorme, vous avez la prophétie de France, mais il y a aussi la prophétie de Québec et la prophétie des États-Unis, des Appalaches. On a des mystiques dans toutes les traditions. En France, vous avez une tradition qui vous avertit de ce qui va se passer. Donc, pourquoi je vous ai annoncé l'élection d'Emmanuel Macron deux fois? Pourquoi je me trompe très très rarement? Je ne me suis jamais trompé sur les résultats des élections depuis 81. Tout simplement parce que quand on connaît la prophétie de France et qu'on connaît un petit peu l'astrologie, on sait ce qui va se passer. Donc, vous allez rentrer dans une troisième guerre mondiale avec la Russie. Il faut que vous le sachiez. La prophétie de France, elle vous dit où vous devez être et ce que vous devez faire pour passer au travers. Fuir les grands centres urbains, être à la campagne, les grandes villes seront entièrement détruites et il y aura une invasion algérienne au sud, une invasion russe au nord. Mes amis bretons, vaut mieux quitter Nantes dans la mesure où vous pouvez le faire et de toute façon les hyper-centres-villes qui vont brûler à cause des pillages. On rentre, il faut sortir de l'ignorance, être conscient qu'on arrive au bout des 720 ans des 10 cycles de Mercure du nationalisme français et que la sanction elle est en 2028. On arrive aussi au bout d'un cycle de Mercure de l'Union Européenne, donc l'Union Européenne devrait disparaître normalement en 2026. Comment j'ai fait pour annoncer la fin de mon grand-père, la fin de l'Allemagne nazie pour 43, mon père, la fin de l'Union soviétique pour 89, et comment je fais pour annoncer la fin de l'Union européenne pour 2026? C'est très simple, c'est des cycles de Mercure de 72 ans, et tous ces systèmes qui sont basés sur des idéologies mensongères, le nationalisme, l'internationalisme et le supranationalisme, s'écroulent toujours au bout d'un cycle de Mercure. C'est très récurrent au fur et à mesure de l'histoire. Dans mon livre sur Yuval Hariri, mais je le reprendrai, je vais vous expliquer que de l'Empire babylonien qui a duré 66 ans à l'Empire romain 666 ans, on a toujours des multiples de 6. Et le livre de Daniel, par exemple, il y a une mathématique biblique, et il y a une mathématique dans le livre de Daniel pour le temps des deux nations et le temps des 7 empires humanistes ou sataniques, et qui sont basés sur les chiffres 6 et 7. Et c'est très facile de calculer les dates. C'est comme ça d'ailleurs que les témoins de Jéhovah ont calculé le début de la guerre de 14, le début de la première guerre pour octobre 1914, ça n'a pas raté. Voilà. Donc c'était aussi assez prévisible de savoir ce qui allait se passer en 40 et puis ce qui va se passer maintenant à partir de novembre 2024. Donc autant savoir les choses, ça nous permet de développer de la sagesse, avoir des bonnes pratiques alimentaires, avoir des bonnes représentations au niveau mental, et puis ensuite développer de la sagesse. Mais la sagesse, vous pourrez la développer que si vous méditez, si vous êtes dans la nature. On ne développe pas de sagesse dans des hyper-centres-villes bourrés de pollution chimique et électrique. Avant-hier, quand j'ai fait mes 10 km à pied, il y a une mobylette qui est passée près de moi, ça faisait des mois qu'une mobylette n'était pas passée de moi, et ça dégageait une odeur infâme, l'odeur du carburant. Et ma compagne avec qui je cheminais, je lui ai dit, tu te rends compte que quand on est en ville, il y a des milliers de mobylettes qui passent autour de nous, de scooters ou de motos, et qu'on vit dans cette puanteur permanente au niveau pulmonaire, plus la pollution électromagnétique. On est passé près d'une antenne de téléphonie mobile très forte de 5G, je lui ai fait la même remarque, on le sent véritablement, l'hématite se met à vibrer dans les parties du corps où elle est présente, et avec des sensations de malaise même. J'ai passé 9 mois quasiment immobile, avec très peu de sorties, 30 minutes quelquefois, j'avais une sortie de 30 minutes tous les 10-13 jours, et donc ça m'a permis aussi de méditer, de faire des asanas. Je fais beaucoup de yoga tout ce temps, j'ai beaucoup écrit, j'ai écrit 5 cahiers comme ça, complets, voilà, écrit tout petit. Voilà, il a fallu que j'attende 5 mois pour avoir mon premier cahier, donc c'est vraiment passé d'abord dans ma tête, j'ai revu toutes mes pratiques, ça, c'était une retraite spirituelle, dans des conditions particulièrement adverses, avec beaucoup de violence, privation de nourriture, psychotronique à fond, pollution, etc. Mais ça m'a quand même permis, malgré cette adversité, de pouvoir continuer le travail,
Et il y a des choses que je n'avais pas encore réalisées, que j'ai réalisées cette fois-ci. Donc ces 9 mois, c'était des conditions particulièrement adverses, mais j'y ai développé de la sagesse, de la connaissance et des bonnes pratiques. Et c'est pour ça que je suis là. Je suis là pour vous donner l'exemple que c'est possible. Malgré des conditions extrêmement adverses, j'ai échappé à plus d'une cinquantaine de tentatives d'assassinat au cours de mon existence menées par le service de renseignement militaire français, en particulier un groupe d'orléanistes haineux qui sont liés à la guerre d'Algérie, parce que tout ça, c'est lié à la guerre d'Algérie. Hein. Ce que vous vivez en France actuellement, ce n'est que la conséquence de la colonisation de l'Algérie et des atrocités qui ont été perpétrées par la République. Donc autant développer de la sagesse, donc que ce soit les policiers ou les gens des banlieues, ben, je leur adresse mon bonjour, je les invite à développer de la sagesse, développer de la haine et du mépris, de développer de la véritable connaissance au lieu d'avoir des représentations fausses de l'islam et des représentations fausses des chrétiens, puisque souvent ils disent les chrétiens, mais je vous assure que chez quelqu'un qui travaille à la police nationale et qui est le cerveau lavé par la République, avec toute la pornéia républicaine dans la tête, et qui travaille pour Macron et sa femme et sa créature, il y a rien de chrétien chez ces gens-là. Il y a le i en trop. Donc, c'est de mauvaises représentations des uns et des autres. C'est pour ça qu'entre croyants, on a des bonnes représentations mentales, on peut collaborer ensemble à un monde meilleur. Mais on ne peut pas collaborer à un monde meilleur avec des gens qui ne veulent pas développer de sagesse, avec des gens qui ont des représentations fausses et avec des gens qui passent leur vie bourrés de médicaments ou de drogue. C'est pas possible. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut faire face à l'adversité? Principalement par la méditation qui permet de développer la sagesse, par l'étude qui permet de développer la connaissance et par des activités justes qu'on appelle le dharma qui permettent, grâce à une bonne alimentation, d'être bien intégré dans son environnement et grâce à de bonnes pratiques, notamment spirituelles, le yoga, les récitations, etc., et bien d'avoir un comportement juste, moral et approprié. Voilà, c'est un peu long aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à très bientôt et on continuera à parler de l'adversité et la question suivante, ça a été qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Comment je peux m'éveiller? Comment ça peut changer? Is it true that Buddhists suicide, madame? Est-ce que c'est vrai que les bouddhistes se suicident plus que les autres personnes? M'a-t-on demandé. Oui, c'est vrai, oui. J'ai des questions diverses et variées. C'est des questions qui m'ont été posées en prison et des questions qui m'ont été posées lorsque j'étais pas là. Et puis effectivement, ben, je vous parlais de la prophétie de France, parce qu'on m'a posé des questions. La responsabilité des Français dans la modernité, ça c'est une question intéressante. Pourquoi est-ce que la France va beaucoup souffrir dans les années à venir? Parce que ça fait 720 ans que ça fonctionne mal dans la tête des Français, pas de sagesse. Mauvaise représentation, mauvaise pratique. Quand on a colonisé le monde entier, quand on a imposé René Descartes et quand on s'est éloigné de l'enseignement humain de Jésus, eh bien, ça a des conséquences. Et à la fin du mois, on reçoit sa facture de téléphone. Ben, les Français vont recevoir leur facture. Il y a un moment, il faut aussi payer ses crimes et recevoir le châtiment. Ça permet de passer à autre chose. Voilà. Les gens qui passent leur vie à nier leurs crimes et à refuser le châtiment, ça marche pas comme ça. Voilà, c'est pas la bonne technique. Voilà, je vous souhaite une bonne suite, puis je vous dis à très bientôt. Tâchez d'aller, que tous vos voeux se réalisent. Développez de la sagesse, développez de la connaissance et développez des bonnes pratiques. C'est comme ça qu'on peut survivre bah, à tout. Entre mes périodes de méditation, de retraite et puis mes périodes de prison, j'ai dû passer plus de 15 ans de ma vie tranqué, comme on dit au Brésil, c'est-à-dire fermé. Et c'est des bonnes opportunités pour développer de la sagesse. C'est pas quand vous serez vieux que vous aurez développé de la sagesse. On est un vieux sage quand on a fait des efforts toute sa vie. Une fois qu'on est vieux, on est reconnu comme étant un sage. La plupart des gens qui sont entre de nous sont de vieux singes et de vieilles guenons. À très bientôt. Bourré de médicaments et avec des petites pilules bleues pour continuer à mettre pépère en avant. C'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on a une bonne renaissance ou qu'on se libère du cycle des existences. Au contraire, on finit dans un enfer et on parlera dans le cours de métaphysique et de cosmologie de la notion d'enfer, de la notion de paradis. Vous verrez que c'est assez simple. Voilà. La pratique d'aujourd'hui, elle est dédiée à Angela. Angela, c'est une de mes étudiantes que j'aime beaucoup. Elle a eu un enfant avec un Marocain et je vous déconseille de faire des mariages mixtes entre occidentaux et maghrébins.
Le roi du Maroc a demandé de ne pas le faire, le roi Hassan II. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Par contre, si vous êtes une Française et que vous voulez épouser un Marocain, allez vivre au Maroc. Et si vous êtes une Marocaine et que vous voulez épouser un Français, allez vivre en France et adoptez la culture de votre conjoint. En règle générale, vous allez vous retrouver dans des difficultés culturelles et des difficultés religieuses. Quelquefois, ça marche très bien, mais en règle générale, ça marche pas bien, ça crée des conflits. Donc là, notre amie Angela, elle a à la fois un mari qui est marocain, mais qui a apostasié l'islam et qui va être plus républicain que les républicains, qui n'a pas hésité à dire qu'elle ne vaccinait pas son enfant et qu'elle était dans la secte de Pascal Trefenguy. Ça a valu à mon étudiante une garde à vue. Et il y a le psychopathe de service, le pédophile de service qui est allé me cirer les pompes avec son crétin de frère pédophile auprès de la Miviludes, avec des déclarations absolument hallucinantes, notamment que j'avais proposé de prendre l'ambassade, le consulat de France de Rio de Janeiro par les armes et de tuer les fonctionnaires. Voilà le genre d'information qui a été dit par ce vieux psychopathe libidineux et sa droguée de femme à la Miviludes. Voilà. C'est pas très grave, le crachat du serpent n'atteint pas la blanche colombe que je suis. C'est même assez drôle parce que finalement, lorsqu'on inverse les accusations, qui a pris le consulat de France d'assaut pour le détruire finalement et pour parce que tout ça est lié à un réseau pédophile, celui à laquelle auquel il appartient et l'agent secret qu'ils ont envoyé pour me régler mon compte pour cacher cet énorme scandale qui de toute façon est en train de d'éclater au Brésil puisque le consul d'Allemagne qui était impliqué dans ce réseau pédophile a assassiné son mari, s'est enfui du Brésil, il a été arrêté par les Belges et il est passé aux aveux complets sur le réseau pédophile du consulat français d'Allemagne. Et Christophe devra, je n'ai pas le droit de l'appeler Stéphane, donc j'appelle Christophe, j'écris Saint-Christophe devant moi, devra s'expliquer sur son soutien au réseau pédophile, notamment lié à une célèbre institution militaire. Voilà. Visiblement, il n'a même pas fait celle-là. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il faut de la sagesse, il faut des bonnes représentations, il faut des bonnes pratiques. Quand il n'y a pas des bonnes pratiques, c'est-à-dire de la pédophilie et des prises de médicaments intensives, lorsqu'il y a des mauvaises représentations qu'on croit dans la nation, la République, etc., il n'y a aucun développement de sagesse. Et quand il n'y a pas de développement de sagesse, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est un vieux singe, une vieille guenon, et certainement pas des bouddhas, des êtres réalisés. Voilà. Donc la pratique d'aujourd'hui, elle est dédiée à Angela, dont le conjoint désislamisé et républicain a des mauvaises représentations, et a essayé de l'unir pour lui retirer son enfant, sachant que l'objectif, c'est quand même d'amener l'enfant au Maroc, où il sera complètement islamisé dans un milieu traditionnel. Donc, faites attention à ce que vous faites. Il faut développer de la sagesse, avoir des connaissances et des bonnes pratiques. Dans le bouddhisme tibétain, on prend le système à l'envers. On vous enseigne des pratiques spirituelles pour avoir des bonnes pratiques, des pratiques éthiques dans la vie au quotidien et des pratiques spirituelles. Ça vous permet de développer des connaissances, la connaissance de la métaphysique et de la cosmologie. Et sur cette base-là, eh bien, vous développez plus de sagesse. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Saint Christophe, c'est un personnage qui est très intéressant dans le christianisme. Parce que c'était quelqu'un qui voulait être au service du plus fort. C'était un lâche. Et d'abord, il était au service des gens les plus forts du village. Puis ils l'ont fait tourner en bourrique. Ils se sont aperçus que ces gens-là avaient peur du diable. Donc il s'est mis au service du diable. Et puis il s'est aperçu que le diable, il y avait des endroits où il allait pas. Et c'est parce qu'il lui a dit qu'il craignait le Nazaréen. Et il lui a demandé qui était le Nazaréen. Et le diable lui a parlé de Jésus. Et donc, il s'est mis à un endroit où le diable n'aimait pas aller. Il a attendu Jésus. Et Jésus ne venait pas. Alors, comme c'était près d'une rivière, il faisait passer les gens d'un côté à l'autre. Il était très grand, Saint-Christophe. Et puis, un jour, il y a un tout petit enfant qui lui a demandé pour passer de l'autre côté, qui avait pas d'argent. Et Saint-Christophe a dit, c'est pas grave. Il l'a pris sur ses épaules. Et au fur et à mesure où il traversait la rivière, ça devenait de plus en plus lourd. Et quand il était arrivé de l'autre côté, eh bien, c'était Jésus. Et Jésus est descendu de ses épaules, l'a embrassé, et Saint Christophe a atteint l'état de Bouddha ou l'éveil, est devenu un saint. Et Saint Christophe a remercié, Jésus a remercié Saint Christophe de l'avoir fait passer de l'autre côté, et Saint Christophe a remercié Jésus de l'avoir fait aussi lui-même passer de l'autre côté, du côté des gens qui ont des bonnes pratiques, qui ont des connaissances justes et qui ont développé de la sagesse. Voilà, c'était l'enseignement du jour. Tachidele, ciao ciao.
Alors, il y aura toujours un pédophile et une toxico pour dire que j'y connais rien, que je suis un menteur. Mais moi, je m'y connais en date, la preuve. Et c'est bien pour ça que d'ici peu de temps, je vous ferai une vidéo sur le prophète Daniel et je vous montrerai tous les calculs qui m'ont permis de prophétiser à la suite des grands prophètes et avec humilité, un petit prédicteur, ce qui est en train de se passer. Donc, si vous pouvez ne pas me prendre au sérieux, parce que si vous avez peur, vous êtes rempli de préjugés, mais vous pouvez aussi être plus aware, ouvrir votre esprit, ouvrir votre âme et votre cœur, et puis vous poser des réelles questions. Est-ce que vous voulez que ce système continue à être ce qu'il est avec ses injustices, ou est-ce que vous aspirez à autre chose? Si vous aspirez à autre chose, il est grand temps de visualiser autre chose.